Oh là là, Phil Drong, il est trop cool. Il a pas fait une queue de cheval, il en a fait trois. Et en plus, il a souffert lol TKTNPPTDR lol. Yo les Trashers, salut à tous, c'est Phil Drong. On se retrouve aujourd'hui dans l'épisode 9 de Pokémon Insurgence. Nous sommes dans Sansara Cave, hein. Sansara évidemment, la cave des parfums. Et le défi du jour, et oui, c'est de faire des queues de cheval. Et heureusement, eh bien, j'ai ces petits élastiques et j'ai les cheveux assez longs pour m'en faire une. Alors, ça va plus être une queue de rat, mais chose promise, chose due. Et puis, je vais rajouter, je vais faire aussi sur la tête. Alors, c'est parti. Donc, je me mets de profil. Alors, donc, il faut que je prenne ceci. Alors, je suis nul en queue de cheval. Étant donné que je déteste ça. Aïe. Aïe. Ça fait super mal, ça tire les cheveux, putain. Aïe. Attendez. Aïe. Ah. Aïe. Mais putain, mais comment les filles font ça? Ah. Je crois que... Merde, elle est trop sur le côté, on la voit pas. Oh non. Je vais devoir la refaire. Ça tire les cheveux. Ah putain, pourquoi j'ai dit de faire ça? Je déteste les queues de cheval. Aïe, putain, mais... Je suis super sensible du cuir chevelu. Attendez. Faut que ce soit bien... Bien centré. Genre là, là. Est-ce que ça va être bon? Là, comme ça. Je pense que c'est bon comme ça. Aïe. Ah, sa mère! Aïe. Ça fait mal, putain. Aïe, je crois que je suis en train de m'arracher des cheveux. Aïe. Bref. Voilà, alors j'en ai une là. Et une derrière qui est magnifique, je vous montre. Voilà, regardez cette beauté. Écoutez, c'est sublime. Voilà, bon. On pourra pas dire que je l'ai pas fait, hein. Ah, putain. Ah, ouch, ça fait vraiment pas du bien. Oui. Ah. C'est la dernière fois que je me mets un défi sur mon corps. Quoi? C'est ça qu'on rencontre de la nature, genre. Aïe. Oh là là, Cleaver, toujours aussi fort. Mais voilà, les dégâts sont au rendez-vous. Ah putain, ça tire sur ma tête! Comment vous faites? Putain, je pourrais avoir un Tyranocif dans mon équipe. Ah mais Nidoking est mieux que Tyranocif. J'ai utilisé Psycho et je peux bouger les boules d'or, regardez. Trop bien, et du coup je trouve... Ébullition! Mais je pense que j'ai personne dans mon équipe qui peut apprendre ébullition. Putain, ce serait tellement bien d'avoir ébullition. Enfin, d'avoir quelqu'un qui peut apprendre ébullition, voyons voir. Ah, une fois un Pokémon de typo, je sais même pas si... Non, si, je crois que Nidoking peut apprendre Surf de toute manière. J'ai super mal aux cheveux. Hein. Je ne comprends pas, voilà pourquoi, en fait, voilà pourquoi je déteste ces trucs-là, parce que je souffre au fond de moi. En plus, j'ai vraiment une sale gueule avec mon grand front, là. Mon dieu. Bon, je te casse la gueule, tu me saoules. Ouais, je te casse quand même la gueule. Hop. Il a séisme, le mec. Anus. Ok, d'accord. Donc ne pas toucher à ces trucs. Ils ont séisme, ils ont des trucs. Du coup maintenant je l'ai dans l'os. Je suis bon pour retourner encore une fois au... Putain. Notons quand même que j'ai pas rencontré un seul dresseur. Maintenant c'est les Pokémon dans la nature qui me trouent les fesses. Et je suis perdu. Oh. Continue l'exploration de ma cave et... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Oh!
Oh non, 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 je suis nul à ces jeux, vous êtes... Oh putain, non, j'y arriverai jamais. Je... Ah mais en plus c'est... Ah ouais, non, 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 je suis désolé les mecs. Non, je vais essayer 2 minutes, mais... Je suis une grosse merde à ces jeux. Et en plus là le... Ah ouais non mais non mais non mais non mais c'est pas possible. J'y arriverai jamais. J'y arriverai pas, je vous le dis tout de suite. C'est impossible pour moi. Je J'ai réussi ? J'ai réussi legit ? Oh ! J'ai réussi ! Ça fait 20 minutes que je suis dessus. Qu'est-ce que ça a fait ? Un parchemin mystérieux. Mon Dieu, j'ai réussi ! Si on m'avait dit qu'un jour, je réussirais un puzzle comme ça... Écoutez, je vous aurais dit non. Oh bah dis donc, il y a des bons Pokémon dans cette grotte. Oh mon Dieu, j'arrive pas à croire que je l'ai fait. Je n'arrive pas à croire que je l'ai fait. Honnêtement, c'est genre... C'est même plus un achievement pour moi. Genre, je vais pouvoir dire, grâce à vous, grâce à Pokémon Insurgence, j'ai réussi une fois dans ma vie un puzzle comme ça. Et je crois que j'ai compris d'ailleurs la technique. Oh mon Dieu. Une télé. Bonjour! Viens, on regarde la télé, Nido King. Wouah! Et c'est le but! Oh là! Quelqu'un a oublié une super potion. Salut! C'est une... Oh! Je suis désolé pour ceux qui détestent le bruit des craquages des doigts. Adieu Lucario. Adieu Patoche. Adieu Patoche. Ah là 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 là. Merci pour l'XP. Voilà pourquoi Patoche n'est pas bon, les amis. Mais qu'est-ce que tu fous? Alors lui, gros Pokémon défensif. Oh là là, je suis même pas capable de le tuer avec... Et il me paralyse. Sa mère. Ok, ok. Heureusement qu'il est mort. Hein. Vive la tempête de sable et vive le type seul. Allez, Anus, montre-nous ce que tu sais faire. Psycho! Eh bien, Grolem, c'est content que les attaques. En même temps, il est sous la sandstorm. Vous savez que le type roche a un bonus. Sous la tempête de sable. Oh, il essaie d'apprendre Moonlight. Oui, on s'en fout. Oui, on s'en fout. Oh là là, mais dis donc, c'est ça va, les mecs. J'ai bien fait de monter mes Pokémon. Arrête d'essayer de poser les pièges de roc. Oh mon Dieu, je vais mourir.
Aïe. C'est la merde. Allez, Cleaver. Cleaver qui a pris une super attaque, un Icicle Crash, qui est la meilleure attaque physique de glace du jeu. Faut-il le rappeler. Et il essaie d'apprendre Night Slash, une attaque de type ténèbre. J'ai pas d'attaque de type ténèbre dans le jeu. Et c'est comme Slash, hein, c'est la même chose. Ouais, bon, allez. Comme ça. On a de quoi taper les Moyades. Parce que sinon, Moyades nous blague totalement. Mais bon. Allez. Allez, retour. Poké Center. Salut! Je ne comprends pas pourquoi les Pokémon... Pourquoi les combats Pokémon sont légaux. C'est pas éthique. Ah, tu sais, c'est vrai que... Les combats Pokémon, c'est pas super éthique. Mais... On en a rien à foutre. Parce que c'est un jeu vidéo. Écoute, dans GTA... Enfin... Dans GTA, hein... le but, c'est de tuer des gens. Tu voles des voitures, c'est normal, limite. Alors, c'est bon, t'as le droit de te faire battre des petits trucs qui, finalement, n'existent pas. Oh! Qui êtes-vous? Oh, ils ont pas de queue de cheval. Merci, merci, merci. Contrairement à moi, qui ai trois queues de cheval qui me font mal, qui me tirent. Quoique ça va, on commence à tolérer. Il n'y a pas besoin de paniquer. Nous sommes tous des amis ici. Oh putain, il va se faire tuer. Est-ce que vous êtes des cultistes? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai entendu que vous aviez trouvé des trucs très intéressants pendant que vous miniez. Comme c'est adorable. Je pensais que nous étions tellement des grands amis. Et que tu me laisserais l'emprunter. Et je veux dire, tu me le donnes, sinon tu meurs. Si tu parles du parchemin qu'on a découvert, on peut pas te le donner. Mes enfants l'ont trouvé, ça leur appartient. Oh merde. Je comprends, ne t'en fais pas, il va se faire tuer. Dis-moi, quel est le truc le plus important pour toi? Ce parchemin ou tes enfants? Il y a plusieurs explosifs autour de l'échelle. Oh mon dieu. Oh là là. Ta famille ne s'échappera jamais si tu ne nous donnes pas le parchemin. Nous sommes cultistes. Alors eux c'est des cultistes du ciel. Alors s'il y a un cultiste par type de mec, parce qu'on a vu les cultistes des ténèbres, les cultistes de l'eau, les cultistes du feu et voilà les cultistes du vol. Ça va être marrant les cultistes des fées. Ah là 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 là, nous sommes les cultistes du type fée. Nous avons des mélodèves et des gros doudous. La la la. Oh putain. D'accord, ça invoque Rayquaza. On a besoin de summon Rayquaza, voilà. Allez, donne-lui. Voilà, va-t'en. Ils vont quand même faire exploser le truc, je parie. Ils vont à Helios City. Oh mon dieu, ils vont utiliser l'énergie de l'augure pour invoquer Rayquaza. Ils me voient pas, hein, y a pas de souci. Je peux être très convaincante. Oh là là, j'ai presque oublié. Knock knock, c'est des blagues anglaises. Toc toc, qui est là? Boum. Tuer le Montagnard. Oh, les hommes morts ne racontent rien. Nos plans sont secrets. Oh là 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 là. Non. Ses enfants et sa famille sont morts. Oh putain, c'est chaud comme jeu. Déjà qu'il y avait des sacrifices humains. C'est génial. Oh non. Pauvre Montagnard... Il devait s'appeler Elliot en plus, je pense que son nom c'était genre Montagnard Elliot. Oh non, c'est trop triste. Déjà, c'est dingue qu'un Montagnard ait pu trouver une meuf. Parce que vous avez vu le look des Montagnards... Oh non, 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 pas toi. Comment je m'enfuis? Ça marche pas, je peux pas m'enfuir. Putain.
Non, pas ce mec, le plus gros boulet de la galaxie, il se tape un Shaymin. Fifou, désolé, je t'avais pas vu, c'est une coïncidence, je te cherchais, j'ai entraîné mes Pokémon. Oh. Je déteste ce rival. Damien. Oh mon dieu. Oh bah dis donc, ça va. Oh bah dis donc, je sens que je vais wiper comme une merde. Ouf. Si je rate mon low sweep, ça va être drôle. Ok, c'est bon. Ah là là. Métang. Alors, j'ai la réponse parfaite pour ton Métang. Qui est le petit Métallos. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Ah mais toi. Oh, mais t'es tellement dead. A plus Soulmus. Telluriforce. Alors. Oh, comment je vais tuer Shaymin? Ah bah oui, je suis con. J'ai Cleaver. Charizard. J'ai une attaque de type roche quelque part. Hélas, non. Mais j'ai Cleaver. Qui fait très très mal sur le type glace. Donc je dois... Ah non, il est type dragon. Oh bah ça m'arrange. Dragon spectre. Ouh, il est plus rapide que moi. Ouh, bah dis donc, il doit être rapide ce Dracaufeu. Allez, à plus sous le bus. Dracaufeu. Ah. Oh. Ah oui, ah bah ça fait de l'XP en plus. Ah bah oui, niveau 47 d'un coup. Luxray. Tu fais exprès d'avoir des faiblesses au sol. Et son dernier, ça va être Shaymin. Moi, j'ai pas le droit d'avoir Mew avec moi, mais lui, il a Shaymin. Si c'est ça, je vais m'énerver. Ah mais je l'ai one-shot. Laisse tomber. Limite, j'ai plus de mal contre un dresseur random dans la nature, quoi. Putain, mais il a Shaymin. Shaymin Sky dans sa team, le mec. J'espère que Cleaver va être plus rapide. Hein. Sinon, ça va être la merde, hein, je vous préviens. Et ce Pokémon est super rapide. Il sent... Ah non, c'est... A plus sous le bus, petit chemin. Pourquoi je perds un corps? Parce que t'es une grosse merde. Je pensais que je m'améliorais. A plus. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé? Ouais. Oh mon dieu. Les cultistes du ciel. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Il faut aller le prévenir. Oui, bah vas-y, bah go. Non, il faut que je le suive. Moi, je m'en fous. Moi, je le suis pas, moi. Je suis très bien. Regarde, là, il y a des Pokéballs. Rogan Town. Ah, j'espère que c'est fini parce que je commence à en chier quand même. Ah oui. Rogan Town, je vais pouvoir soigner mes Pokémon. Bonjour. Poké Center, s'il vous plaît. Oh, c'est une ville du désert. Oui. Eh, casse-toi. Hein? Tu veux que je te casse ta gueule, que je te vole ton sac à main? Hein? Moi, je braque les sacs à main, moi. Moi, je m'appelle Amasu. Je vole les sacs à main, je braque les banques. Voilà ce que je suis. Hop! Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'ai souffert pour vous. Vraiment, j'en ai chié. Ça... Aïe! Ça fait vraiment mal. Comment vous faites, ceux qui portent des queues de cheval? Déjà, vous n'êtes pas des humains. Alors en plus... Mais voilà, putain! Les gens qui portent des queues de cheval n'ont pas mal quand ils se font des queues de cheval. Donc... Ce ne sont pas des humains, ce sont des extraterrestres, des Illuminati! Merci d'avoir regardé ce Let's Play. N'hésitez pas à vous abonner
à Pokémon Trash si c'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Je vous encourage à passer voir. Et puis moi, en attendant, évidemment, la semaine prochaine, comme d'habitude, je vous dis tchuss.